Bonjour à tous et bienvenue dans ma cuisine, moi c'est Garlone, j'ai 27 ans. Aujourd'hui on se retrouve pour une démonstration de mon coach en pâtisserie à la maison, le nouveau iCoach Touch de chez Moulinex. Il est livré avec plusieurs accessoires, dont le fouet flex, le malaxeur, le pétrin, le couvercle de la cuve, mais aussi la balance connectée. Il propose 21 programmes automatiques enrichis en conseils pour réussir ses recettes à la perfection. En véritable guide, il apporte de l'aide et suggère des astuces en cours de recette pour réajuster la préparation. Il y a également des tutos vidéo à regarder directement à l'écran. On peut facilement retrouver les recettes de l'application Moulinex sur son grand écran tactile hyper intuitif. C'est parti, on commence par la préparation de la génoise via la recette enregistrée parce que c'est bien meilleur avec une bonne génoise faite maison. La balance connectée me permet de visualiser à l'écran le poids de mes ingrédients. Chacun des accessoires s'emboîte très facilement à l'appareil. Je place les ingrédients dans le bol et c'est parti. Plus qu'à incorporer la farine et ma pâte est prête. Je vérifie son aspect et me sers des conseils à l'écran. On met tout ça dans un moule à manquer et hop, direction le four. On passe ensuite à l'appareil à tiramisu, en commençant par monter les blancs en neige avec le robot en mode manuel. Pendant ce temps, je prépare le reste des ingrédients pour ensuite tout mélanger et obtenir une crème où l'on va incorporer les blancs en neige. Je sors ma génoise du four et la découpe en tronçons. Je viens ensuite humidifier chacun des tronçons avec du lait au chocolat, je les place dans le plat et recouvre le tout avec ma crème mascarpone. Une nuit au réfrigérateur plus tard, j'ajoute du chocolat en poudre en topping et c'est prêt. Un délice. Depuis qu'il a débarqué dans ma vie, le iCoach Touch m'a redonné envie de faire de la pâtisserie. Je m'éclate dans mes préparations et tout le monde se régale à la maison. C'est simple, mes amis me demandent systématiquement d'amener le dessert quand ils organisent des repas, tellement mes pâtisseries sont réussies.